Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Zoé, un jeu d'histoire interactif RPG dans lequel nous incarnons une jeune sorcière et nous allons nous apprêter à vivre un tas d'aventures absolument incroyables. Et je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de APS Shakers. Zoé? La terre appelle Zoé. Désolée, j'étais distraite. Alors, tu es prêt pour ton rendez-vous? Ce ne sont pas tes affaires. C'est juste un ami. Ah bah, tu vas pas t'en pouler avec ta mère quand même. Ok, bah c'est juste un ami en vrai. En vrai. Je vais juste sortir avec un ami. On se dit tout ça le premier jour, hein, t'inquiète. La friendzone, ouais. Et toi, comment ça va les retards du troisième match? Elle est drôle, hein, dis-donc. Zoé, je veux que tu saches que tu peux me parler de tout. Bien sûr, maman. Zoé, madame reste concentrée sur la route. J'essaie de te parler. Madame, reste concentrée sur la route. Ne la regarde pas. Mais... reste concentrée sur la route, toi. Waouh. C'est comme si j'avais, en fait. Bah, tu vois. Petit conseil, les gars. Restez toujours concentrés sur la route lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Ou commande d'une voiture. Bon, bref, vous avez compris. Maman. Ah bah si, en fait, va mourir. Ça fait même pas 5 minutes de jeu, t'es sérieuse toi? Tu vois, un jeu comme ça, à peine commencé, on nous balance déjà un mort. Waouh. Oh, elle est morte. En soi, je l'aimais bien, ça. 2 mois plus tard. Désolé les gars, je suis un peu malade ces derniers temps. Voilà pourquoi je suis enrhumé, comme vous pouvez le voir. Welcome to Salomon's Creek. Enfin, Creek. Bienvenue, Zoé. Fais comme chez toi. Merci, maman. Merci, maman. J'ai besoin de toi. C'est vrai qu'il est sorti il y a très longtemps, mais bon. Mais bon. Ah, les sérieuses. En fait, je savais bien que c'était une histoire. C'était une histoire de romance aussi, mais bon, je savais pas qu'ils allaient nous balancer du coup dans le jeu comme ça. Tu t'excuses d'avoir ouvert. Tu dis bonjour. Bah il m'a salué, donc on va pas lui laisser en vie. Je dis bonjour. Matt, il n'a pas le visage de quelqu'un à aimer les mathématiques. Quelle grande surprise. En personne. Zoé. Alors, dois-je t'appeler cousin?
pas vraiment. Comment ça? Oh, c'est-à-dire? Ton oncle Rosie n'est pas mon père. Rappelle-moi que... Oh là là, ça veut dire qu'elle est dure, le droit de sortir ensemble en fait. Et bah, ça risque de compliquer un peu la décision. Qu'est-ce que la journée ne te fait pas division coloc? En fait, je suis sûr que lorsque je vais jouer à ce jeu, la plupart des gens vont se plaindre des choix que je fais en fait. Et bah, je suis désolé, mais là c'est moi qui joue, ce sont mes choix. Donc, si vous n'êtes pas vraiment content de mes choix, bah vous pourrez tester le jeu vous-même en fait. Il est disponible sur le Google Play Store. Parce que, franchement, bon bah, on vient à peine de le rencontrer, on va pas combien de lui. Ne te fais pas du mal, coloc. Pardon. C'est déjà bien que je sois encore en train de te parler. Tu ne penses pas t'habiller? En fait, oui, je pensais sortir boire un verre. Tu viens? Oh, le premier retard, c'est mignon. Vas-tu aller boire un verre avec Matt? Oui, c'est une bonne idée. Bah, écoute, je vais pas commencer à gaspiller des diamants pour ça. J'en aurais bien besoin pour une autre action. Donc, je veux dire, non, merci. Fuck! Je dois aller en cours demain. Et? Je préfère me reposer. Mais j'ai bien raison. Ok, prends ma chambre jusqu'à ce que tu aies. Ok. Tu es nerveuse, Zoé? Ce ne sera pas pareil sans mes amis. En fait, j'ai pas fait de commentaire, mais je me suis dit que je devais m'abstenir. Mais toi, tu rêves déjà d'en croiser quelqu'un que t'as jamais vu en rêve. Je sais pas si elle a jamais vu, mais. Mais lol. Bah, non, j'en déduis que Matt sera pas le seul prétendant sur les listes. Hein. Bah, il sera carrément hors jeu. Mais ta mère serait fière de toi. Tu crois? Merci Roger. Zoé, une dernière chose. Tout ça, c'est nouveau pour moi. Je ferai de mon mieux pour l'instant. Je mettrai une seule règle. Je veux que tu sois rentré avant minuit, sans faute, d'accord? Mon cendrillon. La personne m'a roulé les yeux en vrai. Pas de problème, mon ami. Passe une bonne journée. Classe en deux. Oh. Ah putain, c'est chaud. Ah, ça va littéralement partir en couille. Hein. Ok. Tu as été aimable avec Roger et Marie. Vous et 75% des joueurs ont fait ce choix. Tu as dit bonjour à Matt. Vous et 39% des joueurs ont fait ce choix. Tu n'as pas bu un verre avec Matt. Vous et 61% des joueurs ont fait ce choix. Bah normal, il n'avait pas de diamant. Hein. En vrai, il ne voulait pas l'utiliser. Ok. Ok, je gagne un diamant de plus. Et donc, j'ai fini le premier épisode de Nouveau Enchantement. J'en déduis que... 6 ans.
Oh, il y a plusieurs saisons. Oh putain. En tout cas, ce jeu va mettre du temps, les gars. Enfin, je le continuerai si. Je vais le continuer si vous aimez en fait, si vous aimez en fait le jeu. Vous pourrez quand même dire dans les commentaires et je continuerai jusqu'à ce que je puisse le terminer. Bah, pour l'instant, bah, on va faire le deuxième jour de classe. Premier jour de classe. Épisode 2. Je sais pas pourquoi, mais le garçon ne me dit rien qui va. On m'a parlé de loup-garou dans l'histoire, donc. Autant dire qu'il en a le visage. Hein. Voyons voir. Comment est-ce que ça va commencer? Bon, bref, ça commence à commencer. Pas de commentaires, c'est ce que je viens de dire. Quelque chose ne va pas? On dirait que tu as vu un monstre. Tu lui racontes ton rêve? Tu ne dis rien. Autant te dire, tu viens de rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Tu vois pas comment lui dire, oh, hey, salut, je t'ai vu dans mon rêve. Là, ce serait lui foutre la trouille, en fait. Ouais. Donc, je préfère m'abstenir, je ne dirai rien. Je m'excuse. Je cherche la classe 102. C'est dans ce couloir, la troisième porte à gauche. Merci. Tu dois être Zoé. Bienvenue. Merci. Voici Zoé, votre nouvelle camarade qui vient de San Francisco. C'est sûrement pour ça qu'elle pense qu'elle peut être en retard. mieux vaut tard que jamais. Je m'excuse. Je m'excuse. Désolé, je me suis perdu en cherchant la salle de classe. Summer est un peu strict. Je suis désolé si vous ne voyez pas bien le visage de la jeune fille, mais c'est juste que bon, la webcam elle bloque. Bon bref, je vais enlever mon visage pour que vous puissiez bien voir son visage. En vrai, en gros, vous avez compris. Bon, voilà en gros à quoi elle ressemble. Ok. Merci. Crois-moi, il y a pire. Bon, elle a dit même, crois-moi, il y a pire. Bienvenue. Je suis Carla. Merci. Ok. Tu dois trouver un groupe d'amis qui te conviennent. Pour te défendre des prédateurs de cette école. Ah, le lycée. Des prédateurs. Les populaires, les pom-pom girls, les sportifs. Ouais, en gros, la routine, quoi. La belle brochette des gens qui énervent dans les écoles. Carla. Oh. Ah ok, c'est bon, j'en ai déjà vu son visage. Comment ça va Francis, tu as rencontré Zoé? Salut Zoé, je t'ai vu en classe. Ce colis. Quoi? Il a quoi pris? Je crois que je l'ai vu quelque part. Je crois pas, c'était cadeau de ma mère. Salut Zoé, je vois que tu te fais déjà des amis. Oh, ça doit être Matt en fait. Même si vous le voyez pas. Exactement. On se voit ce soir à la fête dans les bois. Ou tu vas me lâcher comme hier. Une fête dans les bois? Oui, tout le monde sera là. Moi, ça me dit bien qu'il va aller faire dans les bois. Tu veux aller à la fête dans les bois? Bon. Oh, j'ai envie de vous monter l'histoire. Je veux dire, oui, bien sûr. De toute façon, on m'a toujours dit, moi, s'il y a une règle que je respecte, c'est bien d'aller à une fête quand j'en ai toujours l'occasion. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à. On ne sait pas que je vais pas une fête, donc du coup, il vaut mieux profiter chaque seconde de. Donc je vais y aller. Bien sûr. Bien sûr que je viendrai. On t'a pas interdit. On t'a pas dit de revenir avant minuit. J'aurais pas dû accepter. On se voit là-bas.
super. Je connais Matt Williams, c'est le plus populaire de l'école. Cool, maintenant que tu es là, on est invité aux fêtes des bois. Et les prédateurs. Ah putain. C'est le collier de Zoé. Ah ouais, bon, enfin, on a 10 en même temps. Oui, c'est le collier. On dirait un chien qui est en train de vomir son hot dog. Lol. C'est bizarre que Francis ne soit pas là. Il est généralement très ponctuel. Dépose ça là-bas. Dépose ça là-bas. Mais oui, je m'en fous. Si t'en payes. Bon. Dépose ça là-bas à l'école. Maman. Je suppose que tu as vu galant en classe. Regarde-moi qu'elle a jeté tout à l'heure. Lorsque t'en fais parler à Lucas. Et qui c'est celui-là avec elle? Bah c'est Lucas en vrai. C'est Lucas. Il est mignon mais... Mais quoi? Mais il est bizarre. Vu tes options, je parlerai à Max sans aucun doute. Et déjà tu veux mettre un petit Putain, je veux pas gaspiller mes diamants, sinon on va aller parler à des garçons. Je préfère rester avec les potes. Peut-être plus tard. Je rentrerai plus tard. Je ne peux pas rentrer maintenant, je suis occupé. Désolé, je suis sérieux, reviens tout de suite. Ah ouais, tu vois la cloche a sonné. Là c'est la fille qui te rappelle que tu dois rentrer avant que le compte de fée puisse terminer. Zut, je dois y aller. Je suis désolé, les gars. Super, Roger. Merci beaucoup. La fille en fait se plaindre en fait. Salut. J'entends des bruits et toi tu dis salut. Salut. Qui est là? Eh hey, oh. Mais non. Tu n'as pas raconté ton rêve à Lucas. Vous et 66% des joueurs ont fait ce choix.
Tu t'es excusé auprès de Summer. Vous et 69% des joueurs ont fait ce choix. Tu as décidé de rester avec Carly et Francis. Vous et 80% des joueurs ont fait ce choix. C'est normal, il n'avait pas de diamant. Mon diamant! Ah, le salaud! Il y a une espèce de je sais quoi qui me l'a volé. Je parle, je suis en train de jouer au jeu. Hein? Je suis en train de jouer au jeu en vrai. Oh mince! Je fais comment? En vrai? Bref, je vais te découvrir dans le prochain épisode. Ok. Le jeu de classe terminé. Ok, bah je crois que je n'ai plus assez de tickets. Il va falloir encore attendre 1 heure, 3 minutes et 30 secondes. Juste à ce que le prochain épisode puisse sortir. Et bien les gars, j'espère que vous avez apprécié faire la découverte avec moi de Zoé. Oh, l'histoire m'intrigue déjà quoi. Et donc si vous voulez que je puisse continuer à faire ce jeu, n'hésitez pas à mettre beaucoup de pouces bleus. Surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça fait énormément plaisir. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram et Twitter. Là-bas sur Instagram je peux facilement vous parler. Et Twitter, bah vous savez ce qu'on fait sur Twitter. Bon, et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre bonne guérison dans les commentaires, ça va bien m'aider. Allez, ciao ciao.